السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس جديد وعبارات جديدة من الحياة اليومية. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. مثلا إذا أردت أن أقول هم سينسحبون عندما سيرون سعر أو ثمن المنزل، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Ils vont se retirer quand ils verront le prix de la maison. Ils vont se retirer quand ils verront le prix de la maison. Le premier verbe, c'est le verbe aller. Ils vont, conjugué au présent de l'indicatif. On a le verbe se retirer, un verbe pronominal, fi'l murakkab, ma'naah yansahib. Verront, ça c'est le verbe voir, conjugué au futur. Ils vont se retirer quand ils verront le prix de la maison. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. Je suis allé à la police pour déposer une plainte parce que quelqu'un avait bousillé ma voiture. Je suis allé à la police pour déposer une plainte parce que quelqu'un avait bousillé ma voiture. Voilà la phrase. Je suis allé à la police pour déposer une plainte parce que quelqu'un avait bousillé ma voiture. En arabe, أنا ذهبت إلى الشرطة لتقديم أو لوضع شكاية لأن أحدهم حطم أو أتلف سيارتي. On a le verbe déposer, معناه يضع. Une plainte, ça c'est un nom féminin, signifie douleur exprimée par quelqu'un. Je répète, douleur exprimée par quelqu'un. يعني الشخص الذي يعبر عن ألمه، إذن المعنى هو أنين. أنين هذا المعنى الأول لهذه الكلمة، une plainte. Et le deuxième sens c'est déclaration portée en justice. Je répète, déclaration portée en justice. هذا المعنى الثاني لهذه الكلمة، يعني وضع شكاية في مقر الشرطة. المعنى الأول أنين، المعنى الثاني هو شكاية التي توضع في مقر الشرطة. ذهبت إلى الشرطة لتقديم أو لوضع شكاية لأن أحدهم حطم أو أتلف سيارتي. Aussi on a le verbe bousiller, un verbe familier, synonyme de casser ou abîmer. هذه الكلمة أو هذا الفعل فعل يستعمل في اللغة العامية، معناه يكسر أو يتلف أو يفسد، كذلك يحطم. Je suis allé à la police pour déposer une plainte parce que quelqu'un avait bousillé ma voiture. Une autre phrase. Les deux amis avaient l'habitude de papoter pendant des heures au téléphone. Les deux amis avaient l'habitude de papoter pendant des heures au téléphone. Voilà la phrase. Les deux amis avaient l'habitude de papoter pendant des heures au téléphone. En arabe, اعتاد الصديقان على الدردشة لساعات على الهاتف. On a le verbe papoter, signifie discuter de choses sans intérêt. En arabe, مناقشة أشياء بدون أهمية. يعني الدردشة. يدردشو. Les deux amis avaient l'habitude de papoter pendant des heures au téléphone.
الآن كيف نعبر عن هذه الجملة ليس خطأي إذا كنت لا تفهم أي شيء؟ Ce n'est pas ma faute si tu ne comprends rien. Ce n'est pas ma faute si tu ne comprends rien. Ce n'est pas ma faute si tu ne comprends rien. Une autre phrase. لضيقي الوقت لن أتمكن من إنهاء عملي. Faute de temps, je ne pourrai pas terminer mon travail. Faute de temps, je ne pourrai pas terminer mon travail. L'expression faute de temps signifie par manque de, yani بسبب عدم وجود, yani لضيق الوقت, faute de temps. Faute de temps, je ne pourrai pas terminer mon travail. Une autre phrase. أنا المخطئة لذلك أخشى أو أخاف أن أجعل الوضع أسوأ بالحديث أكثر يعني أن أفاقم الوضع. Oui, très bien. Je suis la fautive. Alors, j'ai peur d'aggraver la situation en parlant plus. Je suis la fautive. Alors, j'ai peur d'aggraver la situation en parlant plus. Je suis la fautive, yani ana al-mukhti'a. Fautive, ça c'est un adjectif, ma'na mukhti'a. Pour le masculin, on dit fautif avec F à la fin. Aggraver la situation, yani intazid al-wada'a su'an ou tufaqima al-wada'a. Je suis la fautive, alors j'ai peur d'aggraver la situation en parlant plus. Une autre phrase. صحتها تتدهور لأنها تعمل تحت الضغط. جملة سهلة جدا أصدقائي. Oui, très bien. Sa santé se détériore parce qu'elle travaille sous pression. Sa santé se détériore parce qu'elle travaille sous pression. On a le verbe se détériorer, معناه يتدهور, pression, يعني ضغط. Sa santé se détériore parce qu'elle travaille sous pression. الآن استمع جيدا لهذه الجملة سهلة جدا. On ne pouvait pas lui faire confiance. Il a laissé échapper le secret. On ne pouvait pas lui faire confiance. Il a laissé échapper le secret. Voilà la phrase. On ne pouvait pas lui faire confiance. Il a laissé échapper le secret. En arabe, لا يمكن الوثوق به أو لا يمكننا. لقد أفشى السر. On ne pouvait pas lui faire confiance. Il a laissé échapper le secret. الآن استمع لهذه الجملة. Il engloutit tout ce qu'il mange. Ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes de digestion.
Il engloutit tout ce qu'il mange. Ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes de digestion. Voilà la phrase. Il engloutit tout ce qu'il mange. Ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes de digestion. En arabe, هو يبتلع كل شيء يأكله. لا عجب أنه يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي أو أنه يعاني من مشاكل الهضم. Il engloutit, ça c'est le verbe engloutir, signifie manger très vite. يعني الأكل بسرعة كبيرة يعني يبتلع. Étonnant, ça c'est un adjectif, صفة معناها مذهل. Qu'il est, ça c'est le verbe avoir conjugué au subjonctif présent. Digestion, معناها هضم. Un nom féminin, ism مؤنث. Il engloutit tout ce qu'il mange. Ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes de digestion. Une autre phrase. Il doit être prudent. C'est une voiture neuve et elle est encore en rodage. Il doit être prudent. C'est une voiture neuve et elle est encore en rodage. Voilà la phrase. Il doit être prudent. C'est une voiture neuve et elle est encore en rodage. En arabe, يجب أن يكون حذرا. إنها سيارة جديدة ولا تزال في فترة التشغيل. On a l'adjectif prudent, معناها حذر. Aussi, on a l'adjectif neuve, معناها جديدة. Le masculin de cet adjectif, c'est neuf, avec F à la fin. هذه الكلمة قد تعني كذلك الرقم 9. On a aussi rodage, signifie période pendant laquelle on teste le moteur d'une voiture. Je répète, rodage, ça c'est un nom masculin, signifie période pendant laquelle on teste le moteur d'une voiture. En arabe, al-fatra allati yatim khilalaha ikhtibar muharrik as-sayyara. Idan hadhihi al-kalima ma'naha ikhtibar muharrik as-sayyara aw fatrat at-tashghil. عندما تكون السيارة جديدة. Il doit être prudent. C'est une voiture neuve et elle est encore en rodage. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال يوم يقول إذا أطلق جيراننا الموسيقى بصوت عال جدا في الليل سأقدم شكوى. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.